Imaginez un instant traverser le décor du musée océanographique de Monaco. Cette famille de Bordelais en vacances a eu cette chance aujourd'hui. Ils étaient les 200 millième visiteurs de l'expo Mark Quinn et ont pu, entre autres privilèges, nourrir les méduses. Les crevettes sont tous en surface parce qu'ils sont attirés par la lumière. Tout d'un coup, hop, que ça aille au fond du bassin. On a eu la chance d'être accueillis à la billetterie avec un gros cadeau puisqu'on est 200 millième visiteurs et donc invités VIP pour cette journée. Pendant la visite, la tribu Chauvin a été guidée dans l'univers morbide de Mark Quinn, une réflexion sur l'évolution et sur la régénérescence, comme ici avec ce moulage du visage de l'artiste rempli de son propre sang et conservé à 17 degrés. Je trouve un petit peu ça dégoûtant. Vous préférez les méduses ? Oui. Difficile d'initier les enfants à des concepts aussi pointus, mais le musée espère au moins sensibiliser aux questions environnementales de manière ludique et, qui sait, inviter de nouvelles familles. Peut-être qu'on va atteindre les 300 000 visiteurs. Je crois que ça devrait être début septembre. Il faut que les gens essayent de venir début septembre. Ils auront peut-être la chance de gagner. La famille Chauvin, elle, est repartie chargée de cadeaux, peluches pour les enfants et le vin du mariage princier pour les grands qu'ils boiront demain pour fêter leur noces d'étain. Vous devez voir ça. Demain, c'est nos 10 ans de mariage. C'est ce que j'ai entendu dire.